Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans les SA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressés, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Pendant différents quartiers, la plaine, en pile famille, en courri pour échapper pour yo en bas la terre gang 400 Mawozo et Chen Mechan recommencer si même une bac PIA en suivre déclaration parce que Enock Joseph. Situation terrible là. Situation terrible et par rapport avec dernière évolution yo de dimanche 24 là jusqu'à dimanche 1er mai et non seulement est pleine en effervescence, mais Cité Soleil, centre-ville là tout, situation compliquée. Moun cap rentré. Bon, Cité Soleil depuis 2 ans, comme ça. Et même fatigué par les débats ça. Toujours un affrontement entre M. Genefio qui est en haut et avec M. G. Pepio qui est en bas, yo zone boucline. Et ça vient rendre que moun qui n'en boucline, yo dans une situation qui est extrêmement difficile. Là, je dis boucline, je vais parler de tout en bas. Hein. Je vais parler de Waftou, je vais parler de Neto 1, Neto 2. Et yo dans une situation extrêmement difficile. Par exemple, yo pas capable de sortir de presque tout petit à terre était qu'on passait pour sortir monsieur Boucher actuellement là il y a une équipe monsieur certains détails sont comme ça c'est prêt à prendre monde lâcher monde touiller monde cap rentrer pasteur Enock Joseph ça ne capable dire en termes de bilan est-ce que nous constatons tout manifestation présence la police dans commune pour question chiffre là il pas facile pour un chiffre ça yo pas facile pour un chiffre ça au même moment moi identifié moi non moins que 15 jours nous gagné 2 proches moi qui touché par balle qui blessé Dieu merci yo rivé sorti dans opération très bien yo pas endommagé yo dans stabilité sanitaire mais si on bagaille qui terrible ça va passer à dire en pile monde qui mourit en pile monde mourit dans situation ça la plaine là lui-même son bagaille terrible par rapport avec attaque affrontement qu'a fait entre monsieur Katsama Ouzou avec monsieur Chen Mechan. Ça qui est intéressant qu'on y a pour nous chercher qu'on est là c'est à qui profite cette situation. Cette guerre profite à qui? Quel est le cerveau derrière cette guerre? On peut parler de cerveau, un cerveau ou il est impossible pour d'avoir un seul cerveau. Son batterie de cerveau qui derrière guerre ça. Qui est groupe ça qui derrière elle? Je pense que c'est pas un difficulté non c'est bon gros difficulté non pour nous connaître qui est-ce qui est bah ça qui monde qui profite de ça nous connaît ça il profiter à des mondes politiques il profiter à des mondes économiques et qui est sûr parce que où est côté nous est là dans situation ça nous est là monde qui Delmas yo qui plus ou moins en haut Delmas monde qui Pétionville qui senti en paix monde qui en bas la ville dans centre ville là même dans centre ville noyau ville Port-au-Prince là qui plus ou moins dans département l'ouest qui beaucoup affecté par ça qu'a fait là de façon et terrible j'en a passé la pleine. Eh bien, il n'y a pas besoin qu'on ait opposé, non. Il y a privé sur le tout, Situation aujourd'hui, il y a presque tout le monde qui est dans le centre-ville là, qui est dans les zones métropolitaines là. C'est des gens qui prennent, qui n'ont fait mouille avec les bandits, avec gang. Il y a pris tout, il y a pris caillou, il y a pris espace côté, il y a tout. Parce que, nous valons les gens qui sont dans la Cité Soleil, qui quittent caillou, qui allent l'autre côté, qui pas un côté pour vivre. Nous valons les gens la plaine, qui ont couru, qui n'ont pas un côté pour aller. Mais mes amis, finalement, nous pas que même, faut nous faire bagaille pour retirer moun dans la situation à côté là. En tout cas, moi je considère Haïti comme un gros prison, un gros cimetière à ciel ouvert et que tout le monde qui vit en dedans espace ça, c'est des prisonniers, c'est des cadavres. Voilà, c'était intervention pasteur Enock Joseph qui lui-même a placé un cri d'alarme par rapport avec sa capacité développée dans les zones métropolitaines là à côté monde la plaine qui dans cet état ta capable de sentir et plus ou moins à l'abri de ça qui a passé dans la zone Martissant dans l'entrée sud de capitale là et qu'on y a c'est même l'enfer que yo censé et à vivre tout eux-mêmes donc ça t'as capable une idée de et qui ça qui est capable éventuellement arriver et dans le jour qui a venu et puisque et la plaine et lorsque et bandit quand la plaine a acheté de l'argent content donc est-ce que Delmas à l'abri et si Delma et Pata à l'abri, est-ce que Port-au-Prince, les gens qui sont dans cette ville-là, qui sont à l'abri, parce que à chaque fois, les bandits sont sentis confortables, côté pas capables de confiner dans l'espace, et pas capables de déloger, donc même, ils ont gagné par eux, genre, mon dit expression, donc ils ont gagné du terrain, et puis ils sont capables d'aller dans l'autre zone qui était paisible, puis ils viennent ramener même, genre, avec l'autre zone qui était et donc l'autre zone qui n'est pas en sécurité ou bien zone et zone à risque. Donc monde qui a vécu dans votre presse et tant que Jean Pasteur Enock dit là, donc c'est pas de monde qui est capable de sentir qui t'a supposé confortable par rapport avec la progression bandio de une zone à l'autre et de Croix-des-Bouquets passer descendre aller la plaine pour aller se mettre la terre en toute quiétude. Donc ça et situation ça où fait monde capable penser et réfléchir en pile sous avenue Port-au-Prince ou bien centre ville là on dit tout pays en général et qui censé sous gros risque pour bandits t'as assiégé parce que Port-au-Prince là vient coup yon Kiev et qui attend sol. Donc c'est situation et ça et pratiquement dans Port-au-Prince côté monde pas capable de sentir en sécurité par rapport avec ça qui a déroulé ça qui a passé là dans pays dans différentes zones côté bandits à signer la terre. Coordinateur réseau national plaignant Petro-Caraïbe, Maurice Noël a lancé un gros coup de traîne devant violence qui a ravagé zone la plaine. Côté lundi, il y a encore toute activité, l'école, transport, business était paralysé. Et donc, il y a côté gros coup de zame à chanter sans été. Bilan capable en pile, selon M. Noël, qui dit non, il a un bon repos. Il était ouais, il y a un valet monde qui blessé à ma balle. En pile, l'autre obligé courir et quitter Caillot. Maurice Noël qui t'a parlé à Nonak. Caché et tellement situation t'es Mangomé et dans zone Sat, Kafou, Vincent, Douya. Maintenant, en plus de consternation, on a regardé ce côté bandit, acheter, zone de repos. Nous-mêmes, côté de là, c'est pas la campagne, c'est un côté montré. Nous avons 17 minutes qui prend balle directement de tout près poste mon repos. Ça, on a toujours jamais moi-même. On a pris toute précaution pour que nous ne soyons pas victimes en bas, mais ça vous l'agir. Pendant ce temps, on a tout lancé un appel à l'ambulance parce que c'est pas un seul où est pour le commissariat qui est tiré nous. Il tire nous tout doux là, qui a trouvé ça, c'est le monde qui a couru à droite, à gauche. Je dis à quand vous montez des gens qui vont prendre côté où aller. Ça pour quoi la mission, c'est tout le monde qui a fait le nom qui a passé actuellement côté de là. Zone quand on parle, il y a un sous-commissariat là. Les policiers, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas réagi. La police, ça y a monsieur. La police, ça y a monsieur. Maintenant, des fois, des policiers, maintenant, quand des pile gros examen grave, tout ça, on a fait mettre là. C'est une zone qui est complètement là, qui est complètement là. Et depuis, je l'ai fait 9 jours, une zone qui est en difficulté comme ça. Quand une unité spécialisée, les boys, SWAT, Simo, Idmo, BLTS, CPJ, quand ils maintenant, nous pas qu'à dire, les 5 ou 10 jeunes policiers qui n'ont pas sous commissariat maintenant, bandits envahis, et puis qui ont même pas diable, ils ont sauvé pour eux, ils ont sauvé pour eux. Et puis ils n'ont pas qu'à faire absolument rien, ils n'ont pas qu'à faire parce qu'ils ont dépassé par les événements. C'est ça qui nous-mêmes a constaté. Et pas que volontaire que policiers n'ont pas donné, mais pour diable, c'est pour diable. Et puis là, c'est ça qui cause nous arriver la situation. Ça, c'est même gens, c'est mafia qui a dirigé, c'est gang qui a dirigé. Pendant qu'on a parlé là, qui gens zone ou d'une activité ou paralysée, l'école pas l'ouvrir, j'en expliqué maintenant. Est-ce que il y a tir qui a continué dans le moment où on a parlé là, il est dans midi pendant qu'on a parlé avant là? Mais vous m'entendez à quoi céder? Tendez à quoi céder? Pas de absolument rien. Rien comme on connaît qu'à fonctionner dans zone la plaine. Et puis que j'aime dire zone la plaine, nous prenons Kafou Vincent, Kafou Douya, nous prenons des missions, nous prenons Chada, nous prenons Route-Neuf, nous prenons Divivier, nous prenons Sato, nous prenons Chada, nous prenons Lison, nous prenons Moreport, nous prenons Liavoua. Tout le bagage fermé, tout le monde fait courir à courir. Nous qui sommes dans 117, 115, 111, c'est un coup d'envahir pour les hommes de la voie parce que ils n'ont pas qu'à supporter pour les hommes. Ils ont mouru depuis hier, les gars, donc ils n'ont pas de pièce qui est contrôlée. on est dans ce qui a passé dans le pays là, sauf que nous n'avons pas qu'à lancer appel à la police, qui a la police de parler, la police c'est deux bois le faire. C'est que nous avons appel à ambulance. D'abord, ambulance, retourner souper, venir ramasser mon qui appelle, mon qui prend balle, ça peut qu'on mourir, venir ramasser, tout ça, nous avons mon appel, des cadavres, des mon appel, souper, c'est ça que nous pressons pour nous lancer appel ça. Et dans le niveau local, bien sûr, nous apprenons que face avec par rapport à la situation qui a déroulé dans la capitale haïtienne, dans la zone métropolitaine et différentes zones côté côte zone chantée, et chaque jour, nous avons mouru, nous avons blessé, donc il y a des gens qui ont couru et quitté zone Sao, on a parlé de zone la pleine et puis gagné dans quoi le bouquet tout un peu de monde qui a échappé pour lui et nous apprenons que il y a un peu monde qui déjà est au moment mettait tête dans le département sans PIA et il y a un peu là qui déjà arrivé Mirebalais. Nous avons avec nous en ligne correspondant permanent pour les zones bas plateau à James Thomas qui va donner plus de détails. Bonjour James. Nous saluons chaque ami auditrice qui a écouté la radio. Et un des gens présentés c'est comme ça que lié et nous connaissons par rapport avec la situation insécurité, tension, d'acadie et guerre qui déclenchait entre gangs dans la plaine. Et bien, on joigne, et à part de monde qui victime, soit qui blessé, car l'hôpital, mais en pile, l'autre monde a pourri quitter la caille. Et les gens qui ont pourri quitter la caille en plein nord, eh bien, ils ont sauté là-dedans, ils prennent direction plateau central, particulièrement Mirebalais. Mais, information que nous joignons, des gens qui ont gagné, yo en transit Mirebalais et soit cabralé au plateau ou bien cabralé dans le Grand Nord là et puisque il est Mirebalais c'est mieux côté il est supposé faire escalier ou bien traverser donc gagné qui a traversé ville là cependant gagné ils ont grande quantité ils ont même tout ils ont venu Mirebalais ils ont essayer cacher pour sauver pour eux gagné on quitter là-dedans, selon les jeunes comprennent bagarre là, qui vient de liens peut-être familial ou bien parenté avec des gens balais. Mais pour ça tout, majorité là-dedans qui viennent en balais, c'est des gens qui ne connaissent pas ni pied ni tête pour y aller. Et ils ont juste à chercher et sauver pour eux, ils ont rentré en balais. On dit hier, on a fini mon journée pour arriver dans la Soinette, donc les situations sont vraiment compliqué et la police est obligée de mettre les en branle et donc aller depuis dans la zone garoutière là pour aller contrôler bus qui rentré et qui sorti notamment ça qui rentré et ceci la police est obligée de conduire dans le commissariat plusieurs dizaines et garçons et femmes et si nous petit conduire dans le commissariat c'est justement pour être capable de faire des checks parler à Montayo poser des questions avant que eux-mêmes aient accès à rentrer dans la ville là et tout ça mais et parmi Montayo information que nous gagnons en mesure hier soir pour nous confirmer c'est que ça gagné quelqu'un Montayo la police a chassé mais il y a peut-être de la gaille et qui passe normal. Et bon, l'information t'a fait comprendre que t'as gagné aux jeunes âmes, mais jeunes âmes, c'est l'information qu'il faut fermer. N'a pas essayé pendant la journée pour nous garder pour nous est-ce que c'est ça. Il y a de l'autre pour y peut-être des suspects, de monde y a des bagailles qui m'a dit pour y mais quand ça tout gagné, majorité au santé et relâché et pour le grand chemin. Mais quand dit parallèlement, gagné une bonne quantité, yo même qui passe une nuit sur place d'âme de Mirebalais. En plus, le monde a été là-dedans, qui a des gens qui ont dit majorité ça nous et ces femmes, à des gens qui ont quelques jeunes garçons, mais nous avons pris la deuxième diable des femmes qui ont trouvé avec une, deux, trois timons. Et non mais par contre côté au gars donc c'est dans la situation présentée il y a ça peut-être il y a un pile monde difficile pour énumérer même là avec nous mais c'est en grande quantité que le monde qui parlait de plusieurs milliers même pendant hier après-midi et c'est une situation c'est pour la première fois dans toute situation qui présente en date il y en a histoire pas nous et nous où elle comme ça et deux mouns à débarquer dans Mirebalais, deux mouns à Baconnet, qui ont cherché pour sauver Toyo dans la capitale, notamment et dans la plaine. Mais James Thomas, on dit nous que Gamon qui est juste à passer le balai, donc c'est deux monde qui en transit, mais Gay Lotto qui était et non et en fait qui justement est venu et soit des familles dans les balais, mais Gamon tout qui parcourt rien dans les balais qui juste débarqué comme ça. Est-ce que Gay visiblement capable ouais comme on dit sous place d'amener Gamon qui dépasse cette là, mais est-ce que Gamon visiblement qui a le retranché un côté et puis qui justement massé là et qui attend soit de assistance comme ça, ou bien est-ce que il y a un espace qui est réservé donc au niveau de l'autorité, est-ce qu'il y a réservé de l'espace pour capable accueillir des monde qui a sauvé qui était pour le presque dans la condition ça? Et on dit c'est une situation qui fait bruit de secours. Et même pas oublier tout, réalité pays d'Haïti. Donc nous avons une équipe autorité qui est responsable, sous ta permettre de dire comme ça, nous avons une équipe autorité qui utilise les paroles ou même qui dit chaque coup jusqu'à le bouger. Donc pas vraiment gagner de planification mais de préparation qui fait pour accueillir les gens. Et vous avez supposé joindre par exemple protection civile qui passe là de l'autre instance, la mairie. Il a supposé la police, la mairie fait partie de protection civile, il a supposé faire du planning, tout bagaille ça. Mais à mon avis, pas gagner ligne en balai. S'il doit le faire demain, s'il doit le faire après-demain, et Bakadi ou Bakoukounian non. Et un des gens qui était marché sur la place hier soir là, et pour matin, ça peut être gagné quelques 10 minutes, et mon sort passé, comme nous ne pas ouais. Mais qu'on n'y a pas ouais, est-ce que c'est deux monde, j'aime ce qu'a dit à l'heure qui est en transit, ni en balai? Ou bien est-ce que c'est fonds en la communauté? Et parce que la police commence à checker les machines depuis quand depuis des fois, le pays des fois, c'est dans l'entrée sud Mirebalais dans le bloc de la routière là. Donc pour une jeune beaucoup de monde, est-ce que pas une sorte de purée? Est-ce que pas une sorte de purée beaucoup de autres pour yo peur, yo pas contre pas ça le passer, pour la police pas tenir yo, pour pas mettre en côté, sans regarder à vie bagage ça yo. Donc pour qu'à joindre moun yo sans que là d'ailleurs c'est pas deux monde qui suspect. Qu'à joindre de purée, une réalité pays d'Haïti. Donc à juste fond yo et en la communauté à bord. Il y a un pile monde qui a réfléchi, yo dit mais comment ça va lier? Le songe qui est en pile dans le pays, c'est deux gens qui ont couru qui viennent cacher, et dans le monde qui viennent cacher pour joindre de bons gens là de autour, pour joindre de monde tout, c'est pas de monde qui finissent dans ce tempérament, non, il y a pas de l'autre zone. Il y a un peu de monde qui peut pour la sécurité à Pavine et Blaïcol dans Mirebalais à travers le monde qui viennent cacher, mais il faut dire l'État, ou bien l'instance fermée, jusqu'à date, il n'y a pas de côté qui est planifié pour le monde, il n'y a pas de contrôle pour le monde. C'est vrai, la police, j'aime de la fait et quelques là, il y a des gens qui ont des gens, tout ça, mais la majorité là-dedans, ils ont trois outils, et donc personne ne connaît qui côté et on connaît la réalité, on a besoin de bien, qui te gagne, quelques gens qui ont parlé, et qui sont regardés, et accommodés, là, ils ont été, mais le résultat, c'est l'avenir, c'est demain qu'Abdili, mais jusqu'à présent, je ne dis pas de planification qui fait, tout le monde, c'est comme si. Ils ont entré dans la ville là et ils ont noyé et un des communautaires c'est comme ça dans la ville. Voilà, c'était correspondant nous James Thomas et qui tapait dans nos détails sur donc situation ça côté Gamon qui a quitté et capitale l'a quitté zone métropolitaine pour capable de réfugier dans l'autre département le pays et une situation qui est extrêmement compliquée puisque nous connaissons nous en pleine année scolaire côté Gampil Simon qui est même obligé de quitter l'école parce que là c'est pas possible pour la population qui vivent dans la plaine ou bien dans Croix-des-Bouquets pour tout le monde mener vie normalement pour suivre cours pour aller à l'école et comme ça doit donc ils sont obligés abandonner et donc toute activité scolaire et alors que il y a un petit monde qui doit aller dans examen donc comment situation ça prend là et recadrer et pendant que dans Port-au-Prince dans cette ville là l'école a fonctionné normalement alors que il y a un paquet l'autre petit monde de catégorie qui pas capable de continuer à l'école donc tout ensemble de points d'interrogation et que nous sommes capables de poser par rapport avec évolution situation dans le pays. Et par ailleurs, il y a kidnapping en tout qui relancé là pratiquement et qui recommencé kidnapping qui commencé frapper les pasteurs et Alcéo Macarture entre autres et qui c'est lui-même propriétaire et pour funèbre Alcéo Macarture Alma et qui lui-même kidnappé le tout donc ça arrivait donc lundi 2 mai, donc hier lundi et donc c'est là qui était un gros homme femme fois qui pas identifié qui mettait mes sous lui victime lycée tout une pasteur l'église de Dieu gâté et pour qu'on y a pas de monde qui connaît si ravisseur déjà et prend contact avec famille et donc et qui somme tout le temps réclamé pour libération puisque nous connaissons pratiquement et mobile monsieur ça va plus fois c'est l'argent c'est gros l'argent qui a demandé pour être capable de relâcher monde qui n'en meilleur. Et donc nouveau cas de mouvement ça il vient ajouter sur un pile cas et insécurité et criminalité et qui a fait dans le pays à côté et donc depuis samedi 23 avril dernier nous connaissons ça bandit à Negazam 400 Mawozo Chen Mechan qui a tout qui conduit en plein nom et donc ça qui la cause en pile monde déjà victime. Croix-des-Bouquets, la tension n'est toujours pas retombée, des crépitements d'armes lourdes ont retenti ce lundi à Kafo, Marassa et à Santo entre autres. Cette situation force des habitants aux abois à se terrer chez eux ou à fuir tout carrément leur maison. Interpellée par la violation des droits fondamentaux des Cruciens, l'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti met à nu l'irresponsabilité du gouvernement en place. Le CNH, quoique la guerre des gangs qui se poursuit dans cette commune, dissimule des objectifs inavoués et inavouables. Les explications de Jean-Paul Lundi. Le soleil s'est levé sur la plaine du cul-de-sac, mais à Croix-des-Bouquets, les armes ne se taisent pas. À Santo, des gens tentent de fuir leur quartier sous les balles pour sauver leur vie. D'autres sont contraints de se terrer. La guerre des gangs se poursuit. Pas de répit. La situation interpelle l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Maître Camille Occius dénonce l'irresponsabilité du gouvernement d'Ariel Henry. Lorsque vous avez un gouvernement qui n'a pas même garanti droit au logement, et un malheureux malheureuse qui fait sacrifice pour le construire, un côté pour le dormir, et puis aujourd'hui, c'est civil armé qui fait le coup et quitter, c'est déplorable et à condamner. Depuis plus passé une semaine, tout le monde constate et une autre fois encore, droit citoyen, violé, bafoué, parce que nous avons affaire à des autorités irresponsables. Irresponsabilité des tenants du pouvoir, certes, mais le défenseur des droits humains va plus loin. Des mépuissantes agissent dans l'ombre. Les bandits sont comme des marionnettes qui exécutent les 4 volontés de certaines personnes, conclut-il. Question insécurité, pas seulement avec nous qui capturons, mais le plus souvent, il y a l'autre monde qui nous parle et parfois, c'est la plus grande force qui contribue dans la question de sécurité. Pour étayer ses propos, l'avocat évoque un paradoxe. On regarde un monde qui croit des bouquets, on regarde des calibres qui n'ont même pas de zam ça yo coûté et là regardez moun yo qui gagne zam nan mais tout fait un approche en remoyen moun ka yo ka gagner avec coup zam nan ouais prix zam nan coûté à moun ka yo pas capable acheter. Le constat est ce qu'il est, mais ce qui est en train de se passer à Croix-des-Bouquets n'est pas une fatalité, souligne le dirigeant de l'OCNH. Des artisans du chaos sont à l'œuvre. Camille Occius reste convaincu que l'un des objectifs est d'ordre politique. Des nécessités pour gagner un climat de paix pour permettre l'élection organisée. Est-ce que tu as des gens qui ont intérêt à créer un climat de sécurité pour l'élection organisée? Quelque part, il y a des gens qui ont intérêt. Des hommes d'affaires ne seraient pas innocents dans le maintien de ce climat infernal. Le défenseur des droits humains est persuadé de ne pas se tromper. La cause de cette insécurité liée au banditisme est économique. Est-ce que pas bien monde qui a intérêt lorsque machine pas capable de faire livrer de marchandises dans le Grand Nord, machine pas capable de faire livrer de marchandises dans le Grand Sud? Est-ce est-ce que vous n'avez pas d'intérêt? Oui, quelque part, il y a un monde qui a intérêt. Est-ce que pas un monde qui a intérêt lorsque vous avez une sécurité pour faire plus comme dans monter plus gros du nécessité? Oui, vous avez intérêt. Classe économique, côté il y en a boumé, côté il y en a pas pu accaparer son espace, il crée insécurité à notre sens. Que faire pour résoudre ce problème d'insécurité dans cette commune face à la montée en puissance de ce gang baptisé 400 Mawozo? Camille Occius répond. C'est clair pour tout le monde. 400 Mawozo, pas qu'à l'États-Unis pour acheter des armes. Donc, bien des gens qui portent des armes dans le baillot. Donc, si nous les croyons, pas insécurité à tout le monde, il faut que nous mangions non seulement les gens qui ont des armes dans le baillot, mais les gens qui ont des armes dans le baillot. Mener des opérations pour déloger ces bandits qui tuent, incendient, rançonnent et enlèvent des gens est plus que nécessaire. Mais le problème doit être résolu en amont et en aval car ces bandits ne sont jamais à court de munitions. Si on fait opération policière pour empêcher les civils armés à tirer, mais surtout en quelque sorte pour prendre des mesures pour empêcher les munitions à rentrer tout. Donc c'est pas seulement faire opération en cas de négociation, non. Faut que vous mettez balises de la douane tout. Faut que vous preniez des dispositions pour garantir la sécurité routière. Parce que monsieur Abtir là, dans quel on veille ou non, il y a un transport qui fait pour que son âme ne rentre. Il y a un transport qui fait pour rejoindre l'argent, etc. Donc nous pensons à plusieurs niveaux, il faut qu'ils posent des actions et c'est pour ça nous dit, pas seulement en question de bail pour ces âmes, il faut qu'ils moyen pour le nom en amont et en aval. Le commerce, le transport public, les écoles, tous les secteurs d'activité sont touchés. À Croix-des-Bouquets, les malfrats sont maîtres des rues. Conséquence de la mauvaise gouvernance des régimes tête calée qui se sont succédés au pouvoir, regrette Camille Occius, puisqu'il y a péril en la demeure, OCNH fait ses recommandations au gouvernement de facto. Nous faisons exigence à l'autorité, quelle que soit l'insécurité des sources économiques, quelle que soit des sources politiques, il faut que nous prenions des mesures nécessaires, drastiques, pour résoudre le problème parce que l'heure est grave. Jean-Paul Lundi, Caraïbe FM. Merci Jean-Paul Lundi. Effectivement, comme on vous l'a dit, les affrontements armés entre 400 Mawozo et Chen Mechan continuent de plus belle dans la plaine du cul-de-sac. En effet, ce lundi 2 mai 2022, les bandits ont mis le feu dans plusieurs maisons dans les parages de la compagnie Barbancourt. Selon les témoignages d'un jeune garçon qui a dû laisser la zone pour se réfugier à Mirebalais, mais ses proches, dont sa maman et sa cousine handicapée, sont toujours dans le quartier, ne sachant où aller. Écoutez les témoignages de ce jeune habitant au micro de Peterson Luxama. Et moi, Mirebalais depuis hier soir, Mirebalais. Mes mamans avec ce moment, ils étaient en dedans avec mon cousine, moi tout même qui handicapé, c'est-à-dire que en fait pour virer c'est nous-mêmes qui pour virer. Comme si ils étaient fermés en dedans. Mais moi aller avant, qui ça parce que depuis hier et information qui est en que il dit que 400 Mawozo a venu frapper et puis fort garçon obligé de pour pas comme si ou pas kebe manche non retirer corps comme si même guetan qu'on aime c'est bail concours faculté me préparer me prend quelques livres me prend quelques rad me prend pièces qui important me retirer comme me saute parler avec maman là c'est tout mon honnête c'est retirer corps en fait côté m'habiter à c'est Damien dans deux ministères agriculture là mais dans moment que zone qui guetan incendie net la caméra quand m'a parler voilà la caméra bouler rapide soit m'a parler rapide je pas bon anti mais même manger pas bon anti on depuis qu'il est pensé que bataille a commencé depuis dimanche passé dimanche hier on fait 8 jours pas caché manger mais ça me dit manger c'est mon cher ça me prend pincellement manger et puis dans moment m'a parlé me on parler avec moi mais ça plutôt non oh lord même là maman d'abord je me matin là maman est disposée mais c'est vidéo de nous parce que maman fait gros tension mes cousines moi étendant homme d'aller nèg rouler là mais oh lord moi-même, quand on petit jeune en encore, c'est les sous-sous, c'est pour balle de. Ma parle, maman, t'as quoi, pour le pas correct, même, maman blanche à un moment là, maman sous place Babancourt, c'est dans deux ici, Babancourt, puis faut mon aussi là où descendre, où réfugier, pendant ma parle avant là, bah, on est, ma tête est relée là, barrage nous encore là, barrage nous, bah, on est, mais damier, en faisant, moi, en coller avec l'autre quartier qui est Bigarade. stade là tout m'ba bon anti mon cher une équipe shelter dans zone ça là nèg mette di fait net nèg yo rati boisé depuis hier tout men nèg innocent commencé mourir dans zone là tout men même si l'autre cran comme si nèg tchon on chauffeur camionnette tout dans zone là men nèg tchon l'autre nèg encore qui t'a passé dans moto parce que men là on est men il vient commencer fragile depuis ça fait men aller sous prétexte on a dit c'est tout toi men on parle dans téléphone yo fait na descendre yo ba la terre dans moment men oh on dit on le Seigneur. Et voilà pour ce témoignage poignant de ce jeune garçon habitant la plaine du cul-de-sac qui ne cesse d'appeler à l'aide des autorités. Et c'est le cri de désespoir de nombreux habitants de la plaine du cul-de-sac depuis déjà plusieurs semaines. Insécurité et préoccupation citoyenne pour certains citoyens interrogés par Radio-Télévision Caraïbe. La population haïtienne est victime d'un complot dit par la communauté internationale. En revanche, d'autres pense que le phénomène de l'insécurité qui s'est installé dans le pays relève d'une lutte politique pour le contrôle du haut commandement de la PNH. C'est un reportage de Jean-Georges Blaise. C'est tout bon vrai, peuple haïtien finalement prend 3 mois, puisque jeudi, pas ni monter ni descendre face avec un climat d'insécurité qui cause un bon monde dans la population. Par contre, qui pour faire face avec gang qui continue à pied à koyo, fait ça au pipito, n'entoque coup de zam, fait sans couler, voler, j'en continue à faire ça pour la plus belle, dans bab la police qui semblait impuissant pour contrer action malfaite. Sorti dans pleine Croix-des-Bouquets, Drouya, pour atterrir dans un belais à Kamba la ville, c'était théâtre rafale coup de zam automatique pour journée. A tout fait à même mettre du feu dans quelques dépôts marchandises, d'après témoignage. On regarde en bas la ville là, t'écoutez bien prend grand matin là, toute machine obligée courir fermer, obligée et vider les lieux. Moi-même à cause de ça. À cause et nèg la saline, nèg belé a tiré coup de balle. Depuis matin jusqu'à présent là, balle a tiré sans arrêter, Jodi a toute sa population connaît là, gain du feu jodi a. Gain du feu parce que moi connais Henri de comme là, mettez du feu. Parce que dans magasin, dans reste bagaille qui était parce que presque toute bagaille qui dans zone ça au fin craser déjà. Parce que je dis à nous un pays qui livre à lui-même. Qui donc, c'est un bon quartier dans une métropolitaine qui levait même climat ça, qui cause un pile monde pintade dans la rue. Un véritable tête chargée d'après citoyens de la capitale là, parmi eux Nickenson Devarieux qui croit peuple haïtien victime d'un complot international. Son projet international qui c'est-à-dire bon franchement communauté internationale là par rapport à déclaration maintenant la limite fait et gain m'ta capable dire on met politique derrière tout pour empêcher la population haïtienne de manifester ou bien mobiliser face à la situation catastrophique qu'elle vit là. Et j'en ai dit tout à l'heure, complicité de la communauté internationale, où Madame Lalimdou, G9 contribuer à améliorer la situation sécuritaire en Haïti. Et après, pour Madame Lalim a entré là, pour la population, on parle camper devant l'aéroport là, pour dénoncer plan criminel. Il y a une déclaration qui pas trop dépendant tout, avec position, il y a l'autre catégorie qui en même temps tout, profiter longer douette sous certains politiciens haïtiens, yo croient tout qui gagne mais trempé bien fond dans des autres qui persistent sur territoire national côté force l'audio perdu contrôle terrain qui gens catégorie ça comprendre phénomène insécurité a compatriote ça a expliqué. C'est pôle politique qui va affronter entre eux-mêmes, ça veut dire et à quoi en septembre non, c'est lui même qui va nous tout, c'est qui va nous tout fort qu'on est là oui, c'est pôle politique qui va affronter avec groupe gang yo, comment pour faire échec yon l'autre, comment pour yon contrôler plus espace dans pouvoir et puis capable préparer réélection yo. Yon nan façon pour joindre départ LB dans tête la police là, c'est mettre pays en feu en flamme, mettre pays en bas cartouche. Et malgré différentes tendances, ensemble compatriotes ça yo qui dit yo pas capable encore, plus quoi dans mobilisation sans camper pour faire échec à ça qui passé là. Ouais par ouais, c'est population qui doit ba yon réponse parole. Même compatriotes ça qui fait qu'on est, c'est trop paton, ça pas qu'à continuer à aller comme ça. Cachant bakabon, pas de résultat. Si on quitte telle zone pour aller dans telle zone, il pas de résultat. Aller sous place publique, il pas de résultat. C'est un levé bouclier qui pour faire premièrement toute classe politique ça. Toute bourgeoisie corrompue ça yo en camp dans pays. Qu'on levé camper contre grande puissance impérialiste qui va jamais remettre Haïti. Si ce n'est pas on levé campé qui fait tout droit, Haïti ne va jamais ralon souffle. Nous avons une situation qui est catastrophique, nous avons une situation qui est extrêmement douloureuse. Donc, seule alternative là, c'est la population haïtienne qui pour assumer responsabilité, qui pour dire que c'est trois patons, nous pas qu'à un grand goût, nous pas qu'à toutes sortes d'insécurité, insécurité sociale, et je dis à, vous voulez imposer nous, insécurité criminelle. Et face avec toutes les autres saillots qui ont persisté sur le territoire, il était pour connaître à qui sa population doit attendre dans le jour qui a venu là. Est-ce que tout ça t'a porté Mac Fabrique, politicien mal pour honte, effectivement, ça qui certain en tout cas, zone nord-capitale là, sur pour qu'on ait même ça à l'entrée sud là, comme qu'à faut moins passer 5 départements qui étaient bloqués depuis environ une année comme ça. Jean-Georges Blaise, Caraïbe FM. Merci Jean-Georges Blaise. Et face à la montée vertigineuse des actes de banditisme dans le département de l'Ouest, le collectif Défenseur Plus appelle les autorités haïtiennes à assumer leurs responsabilités, qualifiant d'inacceptable l'intensification des actes de violence dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine, incluant la commune de Cité Soleil où s'affrontent également des gangs armés. Le co-directeur de cette organisation des droits de l'homme, Antonal Mortimé, voit dans cette situation la gangstérisation accélérée de la région. En effet, M. Mortimé exhorte les responsables de la police nationale d'Haïti et de la justice à faire le nécessaire pour protéger les vies et les biens de la population dans le respect de la loi. Le co-directeur du collectif Défenseur Plus, Antonal Mortimé, répondait aux questions de Michely Alexis. C'est ça avec regret que nous assistons à l'autre foyer de tension qui éclatait dans nos capitales là. Et en plus de ça qui a passé Croix-des-Bouquets depuis plus de 100 semaines, on a parlé des zones marins, zones chada, Croix-des-Missions, et depuis hier, des groupes ou bien plusieurs groupes armés à affronter Cité Soleil, en densité Soleil, et qui fait mon divivier, mon bois neuf, mon saoyo, mon abois, par contre ça pour faire, j'en dirais pour un sandwich, il y a des gens qui ne peuvent même pas déplacer ma terre. Parce que gang yo puissant, yo en pile, yo méchant, yo cruel. Et je dis ça fait déjà 10 journées d'affrontement, plus les situations quoi des bouquets, les situations matissant. Eh bien, nous nos processus pour la région métropolitaine gangstérisée. Apparemment, c'est simplement le monde qui a des âmes, qui a participé, impliqué dans la violence, qui a arrêté dans la région métropolitaine si toutefois l'autorité gouvernementale n'a pas accompagné la police pour prendre contrôle de la situation et pour faire calme, retourner dans la population et pour rétablir l'ordre public. Et arrêter moun ka examyo traîner devant la justice, juger pour forfait qui ont fait pour crime yo commettre, crime de viol, crime d'assassinat, crime de lynchage et crime de pillage qui ont fait sous business avec bien moun dans région. Voilà pour les déclarations de Antonal Mortimé. Le banditisme qui fait rage dans le département de l'Ouest ne laisse pas indifférente la commission épiscopale justice à Clapes-et-Gilap. La directrice nationale de cette structure évoluant dans le secteur des droits humains, Jocelyne Colanoel, qualifie de révoltant le climat d'insécurité dans lequel vit la population. Pour la responsable de la CGILAP, cet état de fait prouve une fois de plus que les droits du peuple haïtien, dont celui relatif à la sécurité, continuent d'être bafoué sous le regard impuissant des autorités étatiques. Jocelyne Colanoel répondait aux questions de Michely Alexis. Nous parlons un peu politique. André Michel est-il passé de l'avocat du peuple à l'ennemi juré du peuple en un rien de temps? La nouvelle a eu l'effet d'une bombe tôt dans la journée du dimanche 1er mai. Le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire s'est fait tabasser samedi soir dans un bar huppé à Pétionville. Au vu des réactions sur la toile au cours des dernières 24 heures, les internautes sont loin d'être cléments et sympathiques envers l'ancien opposant farouche à Jovenel Moïse. Dans des commentaires les uns plus haineux que les autres, le chef de file du SDP est très mal vu, très mal perçu dans l'opinion. Ces internautes ne pardonnent pas à l'avocat militant d'avoir notamment tourné le dos aux revendications populaires en s'associant au Premier ministre de facto, Ariel Henry, fruit du PHTK, alors qu'il avait fait croire à la jeunesse que leur avenir, je cite, se retrouvait derrière les barricades. Un papier signé Johnny Ferdinand. André Michel, personne, vraiment personne haïtien cap suivre politique pays pendant si tout 10 dernières années ça yo pas fouti dit non ça pas dit yo rien. Yo connaît monsieur Michel André comme un professionnel de la loi, un avocat dans barreau Port-au-Prince. Mais c'est certain André Michel plus fait non li sous scène politique la dernière année ça yo comme un homme qui pas dans ses collé avec PHTK, qui pas marré bouikli même côté avec messieurs dames tête sans cheveux. N'a songé qu'aucune chaîne bataille avocat militant te mené lui-même ancien cavalier Paul Kali, M. Newton Saint-Just, contre ancien président Michel Joseph Martelly. Mais nous songez tout, comment ça t'apprend le fini. Tête si monsieur prend vent, yo chacal candidat pour poste président. Nous pas même quoi poste président, t'es au courant citoyen yo t'es candidat, allez voir pour la République. Élection crasée, élection refaite. André Michel retourne touche au tout bouquet. Pour ça, c'est candidat pour sénateur l'Ouest. La société, c'est pas nous qui venons rappeler, chez mettre la patte assister tirage. L'histoire à Kembe, artiste pas de la man, côté le soti, li bat avocat beaucoup dans série élection ça yo. Bref, Jovenel Moïse élu 58e président haïtien. André Michel retourné pirate dans opposition. Si Jovenel Moïse pas quitté pouvoir sous tête avant l'air, c'est pas de faute mettre André Michel pour job. Ça avocat oublié seulement le pas de conduire ancien chef l'État. Si ou te kon coûté parole cap sorti dans bouche mettre là, ou ta kabali chay li pas capoter. 2018, 2019, avocat finoué mort. Avant l'ouvrir bouche li, c'est une question peuple haïtien sans rété, bien net collectif et la trier. Nous pas cablier épisode pays lokyo côté sans gêner, sans bouche li pas trembler. Met Michel te déclaré clairement la jeunesse campé red des barricades nous. Barricade c'est avenir nous. Yon petit temps après, toute barricade d'après disparaître tant couzé clé. D'après un ancien membre secteur qui relait tête yo démocratique ak populaire, c'est un gros chabrat dans secteur privé qui en pile l'argent qui te ba yo quantité millions pour débloquer la ria pour contenir marchandise li te ka passer. Nous pas connait si c'est vrai, si c'est pas vrai, nous pas là. Yo bon Dieu qui connaît. Ça que certain, la réalité débloquée. Yo t'ai annoncé manifestation pour la nuit qui pas de jamais faite jusqu'à minute n'a pas parlé là. Mais ces dames secteur démocratique et populaire a passé sous char. Jeune garçon qui était des barricades yo même dans salami, ça qui mourir, ça qui rentre dans gang, ça qui jeté dans l'autre pays puis prend nous la caille voisin. Équipe SDPA même gens avec l'autre branche dans opposition, t'es fait seulement sous tête yo presque dit on écrasé yo. Mandat Jovenel Moïse tape fini 7 février 2021. Bien compté, mal calculé. Pays a levé 8 février 2021, Jomo président Pired. Mais, c'est pas pour mettre André Michel. Avocat retourné dans tête actualité, avec parole ancien juge, coup cassation, mettre mécène Louis Joseph, c'est nouveau président pays. Avocat militant, t'es frappé l'estomac, li, y'a pas gain pour négocier, ou al chita parler avec Jovenel. Si on moun besoin dialoguer, si avec mettre mécène, ou oui, y'a pas qu'à sacrifier carrière magistrat pour grand messi. Ah, Jéhuda. Biou, juillet 2021, y'a assassiné Jovenel Moïse Lakaeli dans Pèlerin 5. Donc, pays a vint sans président. En pile moun prend ti chaise bayo pour garder quatre oppositions politiques là qui te fait quoi depuis Jomo pas là, y a prend toute bagaille en main, y a assumer responsabilité yo. En tout cas, si mémoire pas fait un défaut, Jovenel Moïse peut quand même enterrer bataille pour pouvoir te getan tant men nan mitan yo. Sans rentrer dans détail, Ariel Henry comme premier ministre, ancien patron agriculteur te getan nommé avant le mourir, vinn prend rey pays. Si avant secteur qui relait tête yo démocratique ak populaire, te paraît hésitant par rapport ak Ariel comme quoi c'est à dernière volonté politique ancienne avec banane, eh bien, ça pas te prend tant tout pour SDP avec fusion, sans compter l'autre ancien opposant. Te fait un coup 360 degrés pour adopter Ariel comme sauveur personnel yo, et puis aligner au bon côté PHTK à travers un document qui porte nom accord 11 septembre 2021. Depuis là ça, messieurs dames SDP yo vinn pi Ariel même passé Henri. Gouvernement fait, secteur qui relait tête yo démocratique avec populaire gen ministère, yo gen direction générale au pluriel, yo même a demandé l'autre boîte toujours. Eh bien la République public. Information fait quoi? Depuis le SDP FNAP Yaya Kol dans pouvoir, si vous demandez mettre André Michel qui Jean Pep écrit, li pas fouti songer. Si vous demandez avocat qui route pour faire pour aller sous béton pour prendre l'aria qui Jean yo organiser manifestation contre gouvernement, n'a parié. Porte-parole secteur a oublié bagay comme ça. Gaz monté, mais j'ai peuple là, mais j'ai SDP. Kidnapping, dollar cap tout pisi goud là, la vie chère, corruption, groupe gang cap ferraillé, SDP Soud li avec li bébé. Ah oui, on ne parle pas avec la bouche pleine. Information va poursuivre pour dire, depuis le SDP sous pouvoir là, messieurs dames yo pas chômé même dans affaire prend plaisir, dans affaire boue cob yo. Laissez pas madame yo qui a le dépensé sans garder derrière dans disco club l'autre bord frontière, c'est eux même qui a fait causer ici. Festival, yo la bal, yo la bar, restaurant, yo la pirène. Dernière nouvelle yo là concernée M. André Michel. Premier élément information yo te fait quoi, yon groupe individu moun pas arrivé identifier ta kembe met là, yo maspine li, yo krabine li, yo vane li en bas bâton samedi soir dans au bar restaurant mon affaire bon dans Caraïbe Pétionville. Même non le met là t'oublier, pas besoin de dire pour non normal. Une autre information qui te fait quoi tout, c'est un escombrite qui pété après une discussion politique entre deux groupes nèg boui GVCO ak Ponoir tête graine qui pense yo pas camarade peuple encore. Pour André Michel qui lié sacré villa avec une tentative assassinat, c'est un groupe n'a cité 10 jeunes garçons milat qui te vin agressel qui dit li bat kol trop. Met la souligné SDP non seulement pas vle pays à tourner dans vieux cause milat ak nèg noué encore, mais tout li pa gen problème coulé ak PHTK. Les n'a li commentaire sur internet là, en pile internaute yo pas trop gen problème ak sacrivé met là. Gen qui persiste quoi, met là ta doit mettre genou à terre pour le prier ou bien al jeter de l'eau dans habitation parce qu'il sorti vivant. Gen l'autre même qui dit c'est Kama qui frappé met là puisque après 7 février 2021, porte-parole SDP a été déclaré Jovenel c'est un petit vagabond, n'importe qui moun ka flanqué lion soufflet. Première catégorie moun yo estimé, li pas possible pour moun a courir en bas bal bandit dans un pays pour un nèg qui dit c'est avocat peuple a couler boué sur toute qualité côté bouteille yo pas bon marché. On ça tout, il y a l'autre personnalité qui réagit pour condamner violence qui fait soumettre André Michel là, direct ou bien indirectement. C'est cas ancien ministre Claude Joseph, ancien député Kenskoff là Alfredo Antoine ak Yuri la tortue. Si nous comprenons bien, tweet côté ancien sénateur la Tibonite là présenté sympathie by M. André Michel là, ancien parlementaire a rappelé avocat, divergence politique pas dormi sous même cabane ak marché pour éclairer tout côté. Pour l'autre groupe moun même, André Michel t'a deux prudent en pile. S'il ka jetel, jetel. Li pa ka descendre dans l'arrière encore, mais qu'on y a le pas ka monter en l'air. Mettre la tape chercher problème, mais problème. Johnny Ferdinand, Caraïbe FM. Bienvenue dans la page internationale de ce journal. Les États-Unis ont fait état lundi d'informations très crédibles selon lesquelles la Russie entend organiser mi-mai des référendums pour tenter d'annexer les républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk dans l'est de l'Ukraine. Selon les informations les plus récentes, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, a déclaré à la presse à Washington l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter. Ces informations montrent que la Russie entend fabriquer de toutes pièces des référendums en ce sens vers la mi-mai, a-t-il ajouté. Moscou envisage un projet similaire pour Kherson, ville côtière ukrainienne dont l'administration russe a pris le contrôle à la faveur de l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février dernier, a-t-il ajouté. Nous pensons que ces informations sont très crédibles, a assuré le diplomate, et selon lui, de tels simulacres de référendum, des votes fabriqués de toutes pièces ne seront pas considérés comme légitime, pas plus que toute tentative d'annexer d'autres territoires ukrainiens. Directeur exécutif réseau national cap défend droit mon RNDDH Pierre Espérance condamné violence physique yon série nèg fait sous dirigeant SDPA maître André Michel samedi soir pendant ta prend plaisir dans Asso Club dans hôtel Caribe Pétionville. À la tête RNDDH là considéré c'est yon ZAC qui pas gain place li dans yon société côté tout le monde gain droit et puis li mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince maître Jacques Fontaine l'ouvrir enquête sous incident grave ça concernant Maître Michel qui parlait de Moun Peau Rouge qui t'a fait corps sous lui et défenseur de Moun et fait connaître n'importe Moun qui est moyen capable de fréquenter club là avant d'ajouter un problème éthique parce que Moun avocat identifié qui attaqué lui c'est allié PHTK lorsque lui est dans le même régime à partir ça. Ensuite l'intervention Pierre Espérance. RNDDH condamne l'attaque physique qui fait sous maître André Michel le 30 avril du 1er mai 2021. 2021. Attaque ça n'a pas de place dans la société. C'est inacceptable et c'est révoltant pour le monde dans la discussion avec l'autre monde parce qu'on n'est pas d'accord avec lui et puis pour lever main, sous lui, pour frapper lui, pour balcon. Ça, son acte barbarie, les révoltants, et d'autant plus que mettre là, avec des collègues qui dans la structure politique au SDP, et dit que ça a 3 semaines, ils ont fait objet de menaces et de gros barons et PHTK, côté que le commissaire gouvernement a demandé, c'est la police judiciaire pour l'ouvrir, et une enquête. Et dans ce sens-là, et comme dans côté ça passé à Sénat, il y a un club et hôtel Caribé qui c'est pas n'importe monde qui est capable de fréquenter club là et monde qui fréquente ou a gagné tout force sécurité hôtel là et qui était là et yo même tout yo capable ouais et ça qui est passé et donc nous demandons pour le commissaire gouvernement d'ouvrir l'enquête pour rejoindre monde qui fait ça pour traduire devant la justice. Si vous n'êtes pas d'accord avec un monde, vous n'êtes pas d'accord avec la position de l'opinion, vous n'êtes pas capable d'attaquer tout ça, physiquement, ni verbalement. Ça, il est révoltant. Bon, mais ça, nous sommes capables de nous entendre, et il y a plein de dossiers à son question de couleur. Bon, d'après l'information que nous avons, club ça, son club, mais tout le monde a un bon moyen, on est capable de fréquenter ce monde. Tout le monde qui est moyen, il n'est pas. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas présenté la place sous coulée, d'autant plus. Mais là, André Michel, ce n'est pas la première fois qu'il va dans le club là, il va l'attendre souvent. Donc, les gens qui font lieu, si c'est vrai, c'est des gens qui sont liés avec PHTK, sont des choses qui sont extrêmement graves, puisque ils ont même une coalition avec PHTK, là, ils ont un problème éthique. Pour yon a attaqué l'autre physiquement et puis pour yon a attaqué l'autre verbalement. Ils sont dans le même bateau. Mais même si vous n'êtes pas dans la même coalition politique, même si vous n'êtes pas dans le même bateau, il n'est pas normal pour yon a attaqué moun physiquement parce qu'on a un problème avec nous. Aucun problème avec l'opinion maintenant, ça opinion de bail, ça opinion pour. Sous-estimer que moun dit des bagages sous cette diffamation de faire. En tout cas, par la justice, mais nous disons que une société qui est sous l'état des droits, même laisser nous reconnaître qui a tout indicateur dans question d'état des droits en Haïti ou en rouge, mais c'est pour une raison pour nous continuer à accepter la barbarie. C'est ça que c'est dit, le monde qui est aujourd'hui à la pouvoir, qui fait mes yeux, qui va aller les petits doigts et sous assassinat de Jovenel Moïse, qui part défendre victimes et massacres quartiers défavorisés, 13 qui fait 2015, 15 qui fait 2015, 2018, 2021. Et sans compter l'autre ZAC qui fait dans le pays à Petro-Caraïbe et tout ça, c'est une route pour les pays continents dans le pays. Et nous qui sentis que nous bon côté population, qui a défendu la population, il faut qu'ils fassent attention pour leur comportement, pour leur faire choix politique, pour que ce n'est pas PHTK qui a baillé j'arrête, pour qu'il y ait des gangs dans le pays, impunité, capta et banda, et garder forme l'État et ou forme société qui est l'État que PHTK avait imposé dans le pays. Directeur exécutif Réseau National Cap Défendeur Monna et RNDDH, Pierre Espérance, t'a parlé dans le micro, Hervé Noël. Dirigeant conduite organisation politique, syndicale et populaire Guinuma et dit les regrette incident Pétionville là, côté un groupe monde été frappé par parole secteur démocratique et populaire, ni maman des leaders politiques yo, là d'ailleurs M. André Michel, mais il y a action à poser yo, surtout et ça l'idée qui fait complot et contre un peuple là avec docteur Ariel Henry, mais il souhaité au fin déclarer lui-même et ça que passe M. Michel là, c'est un signal pour les leaders politiques yo pas trahi. Revendication population et pour ne pas servir à discours populaire pour résoudre des problèmes personnels. Avocat a souligné, il condamné l'incident, mais c'est membres PHTK qui tapent gourmet entre eux. Nous avons l'autre suivre l'intervention Guinima avec Isu Théophin, le micro RVL. On nous pose une question, on me suppose, et les confirme parce que c'est bien et regrettable, mais en même temps, on dit les leaders politiques, il faut qu'ils mesurent les actes qu'ils ont posés. Parce que les gens agissent contre le pays, que certains ont fait, ils n'ont pas tiré contre les peuples là sur eux. Nous ne pas souhaiter ça pour eux, mais les gens agissent contre le peuple là. Les gens faire un complot à Ariel contre le peuple là. Ils ont risqué à tirer contre les peuples là sur eux. On pense que c'est l'occasion pour tout le monde qui bat dans le pays, profiter et réfléchir sur les actes qu'ils ont posés. Il ne faut pas appeler des bails population un discours et voir qu'on l'autre bagaille contre population. C'est pas ce signal lié. Pour ne pas trahir et revendication populaire. Pour nous pas snober, pour nous pas servir avec discours populaire pour que nous résoudre problèmes personnels. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont frustrés. Mais ça ne passe pas. Ce n'est pas la même population qui fait. Nous pensons que c'est le monde PHTK. C'est même PHTK. Puisque nous avons PHTK, nous ensemble avec PHTK et que nous parlons au mal, eh bien, nous disons bon, on ne peut pas la caillou et puis on parle au mal encore. Nous réagissons. Moi-même, je condamne ça arrivé. Je condamne fermement ça arrivé. Mais il faut qu'on soit cohérent. Faut qu'on soit cohérent dans le discours si ou la caille. Moi, on ne va pas parler mal. C'est dans la plaine, Croix-des-Bouquets, Tabac, Cité Soleil et Croix-des-Bouquets. Donc, c'est tout côté ça et qui chauffait dans le dernier jour de ça, début dimanche passé. Et avec Jacques-Jean Vernet qui a fait et qui a augmenté, qui a tendance à augmenter tout. Et puis, c'est des actes atroces qui a fait, donc mon cap chez mon cap boulot monde. Donc c'est vraiment une situation qui est révoltante. Et pour nous-mêmes, parce qu'une fois encore, et c'est dignité monde, c'est droit pour mon vivre, pour mon capable de circuler, pour mon capable de mener activité qui a passé en papier, qui continue à passer en papier. Et ça, les personnes ne connaissent pas qui est à bien bout dans la situation ça, parce que ça fait 9 mois depuis et toute zone et l'autre sud, capitale a bloqué. Donc tout département qui est dans le studio, il y a une difficulté pour nous, capable de faire aller venir Port-au-Prince comme ça doit. Donc nous avons déjà divers drames. Et ça, maintenant, et je vous dis, c'est Port-au-Prince nord et capitale là, qui en bas coup de dame, toute la scène journée, donc qui retournait, et c'est coup de balle qui a chanté, et mon cap blessé, mon cap perdu, ça y est, mon qui continue pas capable de circuler, déplacer avec qui est posé dans la zone nord capitale contre le sol. Nous nous encore une fois dans ces villes-là, nous disons, bah, ça y est, c'est des révoltants. Et un pays pas capable de continuer à fonctionner, genre nous, le pays d'Haïti, à fonctionner. Et voilà pour les déclarations de Jocelyne Colanoel. Un ensemble de facteurs socio-économiques ne cesse de fragiliser la société haïtienne et du coup favoriser davantage l'insécurité dans le pays, de l'avis de Jacques-Jean Vernet. Le sociologue haïtien a précisé que dans une telle situation, la survie reste la principale préoccupation des gens. À la problématique de l'insécurité, le professeur à l'université propose quelques pistes de solutions à travers ce reportage de Michely Alexis. La situation d'extrême pauvreté dans laquelle se trouve le pays, l'organisation de l'économie caractérisée par le monopole, la corruption et la violence des groupes armés pour avoir le contrôle de plus de territoires, l'instauration de la violence post-duvalieriste, la façon dont l'armée d'Haïti a été démantelée, l'absence de l'État, la politique dans son ensemble, tels sont entre autres facteurs qui continuent de fragiliser la société et favorisent davantage l'insécurité, de l'avis du sociologue Jacques-Jean Vernet. Et dans une telle situation, la survie reste la principale préoccupation des gens. De 86-90 à aujourd'hui, quartier populaire, vient pousser contre John-John, tout côté dans le pays, associé à grande pauvreté, associé à un mouvement populaire malheureusement qui prend en pile frappe dans les mains conseil d'hommes politiques, qui vient faire que au bon armée de réserve de jeunes. Jeunes vulnérables, eh bien, ils ont utilisé dans n'importe quel sens son économie, tout le monde connaît qui est sous monopole, et que pour ne pas qu'il y ait monopole, il y a deux facteurs principaux, c'est corruption avec violence. Le professeur Jean Vernet a mis l'accent sur le rôle de l'État et du gouvernement dans une société dite démocratique. Pour le sociologue, la question de la sécurité doit être aujourd'hui la priorité des autorités étatiques. Il est indispensable que les citoyens vivent dans la paix et la tranquillité. Si on veut gouverner, je dis là, sont capables de payer un porte de sortie en matière de sécurité. Donc ça, c'est le premier barrière. Deuxième barrière, c'est que le gouvernement, ça, c'est un gouvernement qui est isolé. Il est trop isolé du reste de la société. Et il faut que le gouvernement cherche avec la société civile, là, en consultation avec la société civile, là, mobiliser la population pour joindre une formule pour sortir dans la question de l'insécurité. Des solutions à moyen terme à la problématique de l'insécurité, le sociologue propose quelques pistes. À en croire ses propos, il faut que l'État se donne comme mission la régulation de l'économie du pays. Pour résoudre le problème de sécurité notamment, il faut qu'on manie l'économie, on cherche à gérer l'économie. Il y a un paquet d'aspects dans l'économie qui n'est pas régulé. Pour ça, ça veut dire, on prend un simple exemple avant. On prend achat et vente dollars américains. L'État va recevoir un goût sous question ça. Les moyens ne manquent pas. Pour Jacques-Jean Vernet, les autorités doivent faire preuve de plus de créativité. On parle du Parlement, je dis là. Ça veut dire que, au bon sens de rubrique budgétaire, qui qu'on utilise pour le Parlement, qui n'est pas utilisé. On parle du président. Budget présidentiel, on parle du mois de dépenser le même genre. Troisièmement, on rubrique qui toujours est, je crois, autres dépenses publiques qui ont barré comme ça. Qui est-ce qui était qu'on utilisait? Différents rubriques ça. Or, dernièrement, le gouvernement saute monter plus gaz. En conclusion, le sociologue Jacques-Jean Vernet précise qu'il est temps que le pouvoir exécutif assume ses responsabilités en renforçant sa présence à tous les niveaux ainsi que sa capacité à répondre aux urgences. Allez, la mort, rêver. Oh, oh, oh. 5 jeunes garçons d'Otouning et d'Ayo Capiqueté, 7 les autres après tirer Roche à Krato. Sensab déroulé Grand Fond, 5e section commune Keskoff, il fait 11h du matin. Allez, la mort, rêver. Bien déterminé, yon rigole sous la coulée sous Koyo. Jeune garçon sa yo a préparé tes poils planter pistache. Des joies, engouement, détermination qui anime Monsieur Sayo, il y a une pile réalité qui cachait, une pitrice passée l'autre. Pistache là avec du petit mi quoi, un goût. Avec, grandement goût et bah ça va pas gain de l'eau. On va pas faire plus regarder, on perd du rien là, on stay à venir chercher. C'est gain là, nous vivre mais c'est rien là. Dans zone ça, pied bois pas presque poussé. C'est un coup savane désolé. C'est seulement qu'il dit pistache là, habitait au fait, pour ensemble raison ça yo. Guindé pas faire notre travail, soleil vini chercher plan yo. C'est celle bagarre capable de la avec on ka un petit monde l'école. Si nous a même un monde qui mourit, au contraire des monde qui mourit, c'est marathon nous fait. Pour nous enterrer parce que pas de moyen seulement. On seul bagarre nous côté sur yo, c'est un petit grain de pistache. Qui pistache là, son bagarre qui fait misère, obligé lui-même il pas faire misère, il résilier lui la baille. Paysans de Koumdadou, après, grand pile moun obligé parti, c'est Port-au-Prince, aller, ça crée Port-au-Prince, il n'y a pas grand chose qui réaliser dans le pays. Parce que planter maïa, soleil, c'est utile. Je sais pas qu'on voit, bon, parce que nous sommes bien dans le pays, nous sommes là, nous qui te fait nous couvrir un petit caille, c'est-à-dire, tu as pris provisoire nous. Et une maladie qui passe, petit million lésé, et puis on bagaille passer le tuer tout. Ça qui déjà traîné d'elle en pile conséquence. Moun yo ap vive nan misère, petit paysan yo pa ka aller l'école, en pile nan ti moun yo souffri malnutrition. Prix produits première nécessité yo déjà 17 au tech. Même de l'autre garde petit grain bête cochon de ces saliers y a bagaille monter dans nous pas faire la vie pas dans la vie pour planter dans depuis soleil la passer le boulet la pluie pas tomber la pluie arrive tomber pour 2 jours 2-3 jours pays a cherche bagaille dit bon ça c'est gain 5 timoun gain déjà mel localité ça Maladjouk dans zo pas de route machine c'est quelques citoyens qui mettaient ensemble qui créaient un petit passage dans tête falaise yo à cause route qui pas gagné les habitants récoltaient pistache ça s'il pas perdu pour venir c'est un véritable calvaire nous gonchaille pour nous gonchaille là où ça était ouvert à pied pour nous sauter là avec la mettre dans marché ou bien pour le cal en bas la ville. Et la tête pour nous côté la métro bien pour nous prendre marche. Yo souhaité l'état voyager garder yo dans localité ça qui déjà fait face à une épidémie gratel depuis plusieurs mois. Obligé au sous la mousseau. Comprendre comme bon Dieu important c'est on qui gagne comparaison qu'elle fait moun zone ça là et ben on a vivre non. Pistache là avec petit mi quoi Congo. Avec Gouvernement, goé, ça va, pas gain de l'eau. On va pas faire plus de jardin. Yo perdu, pas rien là, yo. Yo c'était à venir chercher. Et gain là, nous vivons, mais c'est pas rien là. C'est gain nous perdu jardin ça. Coordonnatrice l'Union pour Haïti, Girlène Eliasen Boussiko, dit choqué face à condition la vie citoyen ça yo qui d'après elle a vivre dans condition monde pas ta doit vivre. Li fait appel à tout bon samaritain qui gain volonté, yon manière pour river porter secours à population qui vivent dans localité si là. Pas gain route, nous constater pas gain de l'eau. L'eau moun yo a servi, c'est de l'eau rivière, lancer là dans yo fait besoin yo, c'est avec que yo servi, li même que yo boit. Bon moi même m'a demandé mesdames qui boit ici yo comment yo fait? Est-ce que l'État a pensé à zone ça? Yon femme qui enceinte, comment la fait à l'hôpital? Pas gain tribunal, nous même dans LPH, nous voulons porter support nous à moun dans zone là et nous fait appel à d'autres organisations nationales ou internationales pour venir mettre main ensemble avec nous. Pour de l'eau, c'est capter pour nous capter de l'eau. Et pour nous capter, faire un réservoir là pour des gens difficiles pour le moment. Donc nous c'est quelques châteaux d'eau pour nous acheter, pour nous venir ensemble avec lui, pour nous en attendant. Grand fond pas une zone qui trouvait en dehors pays a. Apil moun ta saisi ouais. Zone ça trouvé dans département l'Ouest. Localité ça abandonnée, habitants yo vivent dans misère, mettez sous une épidémie gratel y a traversé depuis plusieurs mois.